Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment je ferme mes cumimimo sans fermoir, ceux qui sont en fil synthétique. Donc pour commencer je fais mon bracelet. Ensuite eh bien je noue avec un petit fil de coton, vous voyez la bobine derrière ici, de chaque côté, puis je coupe à ras, comme ceci. Et j'ai noué. Et ensuite, eh bien, j'utilise un briquet ou un petit chalumeau comme celui-ci et je viens fondre mes fils synthétiques de chaque côté et je les soude entre eux tout de suite. Hier, je fonds. Voilà, on fait attention, hop. Et on les assemble comme ceci. Bien sûr, à faire par un adulte. Et ensuite, quand on a fini, eh bien, on vient coller par exemple un petit morceau de ruban tout le tour. Hop, je vais éteindre ça, voilà. On vient coller un petit morceau de ruban avec cette colle pour cacher le nœud. Ou alors, on peut glisser la petite breloque aussi sur le nœud. Et on obtient ceci. Voilà, tout simplement. Bon, donc on utilise des fils synthétiques, hein, ça marche pas avec les fils en coton. Avec les fils au coton, vous pouvez essayer de coller, mais pas sûr que ça tienne. Alors que là, les fils sont fondus et du coup, ben, ça tient, ça peut pas lâcher. Hein. Vous pouvez tirer super fort, ça lâchera pas. Donc faut bien couper les petits fils en coton qui sont pas très jolis. Voilà. Donc comment on ferme un petit bracelet cumimimo avec des fils synthétiques et sans fermoir. Voilà, à bientôt.